Merci, mademoiselle Adouma. Je vous remercie pour la qualité de l'exposé. Il était très bien clair, très structuré et très pédagogique. Maintenant, on passe à la discussion. Je passe par monsieur, je commence par monsieur le professeur Baziz Hadi. Merci, madame la présidente. أشكر الطالبة على التوك بريزنتيشن از جود فيري نايس ريش بات ناو اي هاف سام كويشن فيرست كويشن از وات مين ان ذا ابستراكت وات مين اس بي ميتا ان ذا ابستراكت لا تنسى اس بي ميتا اي ثينك or effect the spinning up in the abstract. SP meters are a category of materials that have SMP states. SMP states, it means SP meter. Meter that have SMP states. Yes. In chapter 1, literature background, I think you learn a lot because you put, I think, 188 references. No, I mentioned the literature. I compare it the results and this the literature background. Is there? No, j'ai comparé les travaux précédents. J'ai mentionné les travaux qui ont été réalisés sur des matériaux. Est-ce que vous avez beaucoup ou pas beaucoup? Ben je parlais non complètement non. C'est-à-dire j'ai mentionné les références beaucoup plus sur les travaux précédents qui ont été réalisés sur mon travail et j'ai fait une comparaison avec d'autres travaux. J'ai quelques questions théoriques. What is the difference between MBG H C E? Qui a le H H S E? Mais c'est quoi ce MBG? On a quoi? On est cinq gars. Le roi qui fait. Il y a deux qui ont été dans le corps à l'air de la. Why? Parce que le, j'ai utilisé deux codes. Donc, I have to talk in English, I think. I have used two different codes. So, I have used V2K for bulk compounds and VASP code for monolayers. So, V2K, me fiche la chasseur. Oh, je pense que la chasseur. Parce que le VASP me fiche l'MBG. L'MBG, c'est le VASP. L'MBG fait le VASP. Tu viens de Kena ou le VASP Kena? Ah, mais j'ai aidé. Tu viens de Kesha? L'MBG fait le VASP. Ah, mais Kesha. Eh, justement, mais Kesha. Ah, mais Kesha. Là, je pense qu'il me fait le VNTK. Kesha, bien. Donc, it is a computational technique. So, it takes a long time. And I have go in... Il faut que je vois le VASP, il faut que je vois le VASP. Il faut que je vois le VASP. There is... Le type de l'MBG. Yes. Amelioration for the gap correction. حتى في الباص في اللي يكوش دونك ما كانش فيه الميجي دونك راح في الاش اسو لاش اسو سي سا سي سا باسكو ما كانش في الميجي في الباص لا هي الاش اسو مثل بها في اللي دونك استعملت الاش اسو اللي موجوده في الباص ما كانش في الميجي جود فور مي وفور Qu'est-ce qu'il y a entre A et B?
à la PWV, il faut être potentiel à la PWV. Il y a des méthodes, notamment des méthodes. S'il vous plaît, avez-vous la question? Quelle est la différence entre entre des méthodes de calcul. L'FP et la PWV. APWV. À la PWV, on va être full potentiel à la PWV. Donc, chaque méthode, c'est une amélioration de l'autre méthode. Donc, la PWV augmente les plan waves, donc utilise des ondes planes augmentées linéarisées. Also divide the space into two regions. First derivatives of the radial functions. Le potentiel d'échange de corrélation. La PWV est une amélioration when ZO linearized, c'est-à-dire ZO linéarisé, parce que la première, c'est-à-dire stream limitée, donc fil boundaries, est égal à zéro. Donc linéarisé, ZO linearization pour assurer la continuité. Merci. عندك plusieurs configurations تاع الرياج 102 كل هل لي شاك configuration عندها space group normalement كي يكون في space group normalement راه سيفي تبدل normalement je pense oui تبدل لي space group هي بصح كيف درتي انت بدل الرياج عندي 05 لا 025 بعد لا 125 La structure est changée, but from primitive cubic cell to FCC. We have obtained the same. J'ai choisi les positions de telle sorte que je garde la structure cubique, mais avec different symmetry. FCC to primitive. Donc automatiquement le bord d'espace a changé. We have calculated the dimension. To see the anisotropy of the polycrystalline moduli. So we have calculated that for the bulk modulus, the shear modulus, and Young modulus, to see that if all the polycrystalline moduli are isotropic or not. So we have found that the bulk modulus is isotropic since it has the perfect spherical shape. Whereas the shear and Young's modulus deviates from the spherical shape, c'est pas sphérique. Donc, il y a anisotropie. Donc, les propriétés ne sont pas les mêmes dans toutes les directions. Calculer le A, c'est le quotient des génies. C'est pas le A. Là, tu peux confirmer ça en utilisant. Oui. بس هلو آه هدك سي لزينر زينر فاكتور ما هو شي the same as the anisotropy هادي لا هدك زينر لا الكوفيسيون زينر وي هدك سي ديغالا 1 اللي ايزوتروب وي توت ديفياسيون سي سي لو ماتيريو انيزوتروب كيف كيف هادي هي فور البوليكريستالين موديل هادي شي كونفيرماسيون كونفيرماسيون تاع لي فوالا لي بوليكريستالين موديل يس كاين واحد الشكل ما فهمتوش انا اكزاكتلي واش كنت بغيت ندير ثيرموليتيك على الموضوع لاباج 168 168 لاقين سامي نزيد كونسلت هاكي وصلت
زيدي هكذا هذا هو هذه الفاريشن انرجي اوف تايمينغ مش تقصدي بها We have used ab initio molecular dynamic simulation to verify thermal stability of our pristine. en français comment dire? Ab initio molecular dynamic simulation. Molecular dynamic simulation. Quatre choses. Perturbation, then a perturbation, and then the structure of tana. Donc le principe c'est put the materials in a thermostat. Non, non, c'est pour les binary tests de tana. C'est mon calcul. Quoi de quantité, de dynamique? Le VASP. Toujours avec le VASP. Donc le principe c'est de put the materials in the thermostat, fix the concentration. So we have used the nozzle over thermostat. We fixed the concentration and verified the velocity of the compounds during a 3 picosecond time step with one step, one femtosecond step. C'est-à-dire le temps d'accumulation d'une à 3 picosecondes. The time step is one femtosecond. Où je fais la velocité dans le système Tarnant. Jusqu'à l'obtention de la vélocité indica égale à 3, vérifie la relation 3 sur 1, 2 sur 3, 1 kbt. Donc, il égale la vélocité, c'est-à-dire c'est la même à 300 k. Donc, l'intervalle de l'énergie tana, on trouve les fluctuations. Donc, l'énergie show presque la même fluctuation, yani peut-être بدلش بزاف during the time step. Donc, on peut dire que les matériaux d'ana sont thermiquement stables. Yes. It's about the vibration. C'est-à-dire des concentrations de 0 jusqu'à 0,75, mais 2D déterminent que 0 à 1. Laisse des C'est la potence de 0,75, c'est n'a jamais fait le cache. Voilà, justement, je me suis posé la question. Attendez, avec la binaire de l'eau, il y a une structure différente. Les valeurs du gap pour le binaire, donc c'est à zéro. Pour les propriétés structurelles, j'ai mentionné les valeurs. La discussion, j'ai mentionné uniquement les valeurs. Ouais. Ouais. Là, c'est constant pour. Binary and monoid not. Why? For the monolayers. Yes. We just verified the mechanical stability for the binary. Juste une vérification, c'est-à-dire les propriétés. Je n'ai pas calculé les modules. Je peux déterminer si c'est 11 ou c'est 12. Ou alors c'est 66, c'est le qualité. Peut-être que les échantillons ont été constatés dans ces 15. Si, c'est 66, c'est toujours positif. Ah. Alors, peut-être que le tableau, j'ai mentionné 666. C'est zéro. Uniquement c'est pour. Zéro. C'est où, uniquement pour le fer. Ah. Parce que le fer a une square structure. Donc, un dos, trois et constantes. Est-ce que l'italien a déjà fait un peu de temps pour la cache? Non, non, mais Dieu, j'ai beaucoup de temps. Mais. Parce que normalement, on est Mais bon, j'ai vérifié juste la stabilité mécanique. Moi, je bien, là. Pour le monolayer, ça... Ça prend beaucoup de temps pour le monolayer. Déjà, avec un an, on dit beaucoup de temps. Avec...
Donc c'est 66, c'est pour uniquement pour le faire. C'était uniquement pour le faire. Parce que on do a square structure. We have three elastic consonants to take into consideration. C'est 11, c'est 12, c'est 66. Par contre, pour le SRS, il faut juste calculer ces 11 et ces 12. Est-ce que la tu as une constante élastique de DIM, ça te porte ou la... Yes, it is the same. Just structure, rocklet, bullet. Non, non, c'est le même. Qui m'a demandé l'air, qui m'a demandé l'air, qui m'a demandé l'air. Bon, la théorie, on a dit qu'elle est constante élastique. Non, non, it's not the same. C'est le même. C'est le même. Bon, j'ai le même, c'est 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 11, c'est 44, c'est le même. Il est bien fait. Yes. It's not a cubic structure. SRS has an hexagonal structure. All the compounds has an hexagonal structure, or the binary iron S has a square structure. From the gap. From the gap. The codopid compounds are half semiconductors. Spin up. How do you spin down? Spin up, it's a semiconductor with wide band gap. The spin down, it's a semiconductor with a minor band gap. Donc, les thermoélectriques. Les mapeurs, half metal, the semiconductor. Half semiconductors. Les codopid compounds, the half semiconductor, les codopés. Donc, shift le gap. Donc, on dit a minor band gap in the minority spin. For thermoelectric application, we need a minor band gap. Donc, j'ai calculé les propriétés. كاين لي ماتيريو ثيرموليتيك باينين معروفين وشنو هما لي ماتيريو ثيرموليتيك جينيرال سي جينيرالمون افيك لي هيفي ميتالز سي كي كونتيان لو بيسموث اكسيتيرا دونك لي اندي كونديكتور فوالا دي سيمي كونديكتور جينيرال دونك انا جي كودوبي افيك لي هيفي ايليمنتس ليثيوم صوديوم اي بوتاسيوم اسكو ديما نقدر نقول ثيرموليتيك ولا ما نقدروش دي ميتو on s'intéresse pas à calculer les propriétés thermoélectriques pour les métaux parce que maintenant j'ai un gap. Donc, on a un gap, on a un gap, c'est-à-dire on a un gap. حاجة أخرى
que là, la formule qui donne l'énergie de formation pour voir la stabilité thermodynamique. Quelle est la formule, Eric? Bon, on sait que l'énergie de formation est égale à l'énergie de l'adresse Kamel moins. Le bulk energy. Oui, en fait, SX, SF, Y ou Z. J'ai dit Y ou Z. Normalement, c'est X, t'as le premier dinaire, moins X, t'as le dinaire, la formule. Non, c'est amount, c'est la quantité, t'as les atomes. Le nombre des atomes dans l'alliage terrestre. Donc X c'est le nombre des atomes dans le SRF, le supercell. Y c'est le nombre des atomes du fer et Z c'est le nombre du soufre. C'est le nombre d'atomes dans le supercell. Unit cell. On divise par le nombre de. Donc c'est pour l'énergie de cohésion. C'est pas pour l'énergie de formation aussi ici. On dirait sur le nombre total. ولا تخدم سينيرجي فورماسيون تاع لاريش كامل موان كيما قلت لي كونتيتي ديفيزي بار نو فيريفي انا ما فهمتهاش زاد يقالك زاد عاود لي ثلاث حاجات قلتي سي لو نومبر اكس لينيرجي تاع اسهم سي با لينيرجي سي لو نومبر لو نومبر داتوم دون لا سوبر سيل دونك Par exemple, on a 8 atomes de SRS, donc on multiplie par 8. 8 fois l'énergie de la bulk de l'atome, du strontium dans le bulk. Donc, chacun dans sa structure. Oui. Bon, vous avez calculé le B par le site et le B, c'est la constante élastique, les propriétés mécaniques. Oui. Vous avez calculé le B en utilisant les constantes élastiques. Un tiers de séance, presque fois c'est 12. Donc je vois que les résultats sont presque les mêmes. Donc ça montre que vos calculs quand même sont bien. Et autre chose, c'est les constantes élastiques. Oui. Vous avez écrit que B sur G supérieur à 1,75, c'est la breadth nature, voilà, ou inférieur à 1,75, c'est breadth, l'exile. C'est le contraire des quatre. Alors, il est les constantes élastiques. Et là, c'est le contraire. B sur G. Oui. Quand B sur G a plus de 1,75, où c'est quoi le matériel? Brittle. Non, détail. Oui. Brittle inférieur à 1,75. B sur G supérieur à 1,75. Brittle. Le matériel est. Ductile. Ah, je fais l'internet. J'ai bien dit ça. Je vais vérifier. B sur G qui est supérieur à 1,75, le matériau. Ductile. Qui est apal. Brittle. D'accord. Tu peux dire le contraire. À vérifier. Je vais vérifier. J'ai vérifié dans les articles de Mélite Gaba. Il y a un article.
Just vérifie sur l'internet, il y a ça. BCG 1,75. BCG. وهذه نحن لا 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 fragilité ou on peut aussi la 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 voir à partir de l'évolution de poisson le rapport. Généralement, je trouve le bounding. C'est sigma, la coefficient de poisson. Oui, sigma. Sigma supérieur à 0,25. Non, non, pour le, ça c'est pour la, la covalence et l'unicité. Non, non, pour le. Si le coefficient de poisson est supérieur à 0,26, le matériau. Je dis ça. Je vois par exemple, je vous ai dit le matériau. SRS par exemple. Supérieur à 0,66. Donc, Hadab, 0,19. Donc, Akalm, 0,26. Donc, il est prêt. Ou est-ce que vous pouvez chercher supérieur à 0,75. Donc, j'ai. Donc, c'est vrai. Dans l'interprétation, le SRS est breton ou inductif ou de carbone. Pardon, BCRJ supérieur à 75. Ah, c'est bon. Alors, inférieur à BCRJ, il y a 1,32 ici. 1,32. Et BCRJ inférieur à 1,75. BCRJ qui est à 1,75, le matériau est prêt. Donc dans ce cas, il est bride. Il est bride. Le 1,32, il est bride. C'est ça? Oui, il est bride. D'abord, il y a 1,75. Il y a quelques axes. Dans l'écriture d'axes. Alors, j'ai le où je t'ai dit. Mais la DS. Le coefficient de poisson? Là, je suis le coefficient de poisson. B, c'est OG. Mais vous venez de confirmer le coefficient? Attention, le bride. We select that above. The material is going to be is less. Is objective if is less than one. Yeah, the Akal is 75. Yes. We did that. Donc, that is why. The other did that. SRS. Yes. Yes. Alors, yes. Hybrid. Yes. Ok, la contradiction de l'Union vérifie tout le monde. L'article, vous savez, l'article, hein? Yes. Vérifie, hein? C'est à vous. Thanks. Je pense que le casse la vérité. Surtout, il y a des surgies, il y a des intérieurs, il y a tout. Bon, pour les propriétés électroniques, ça a été l'impigé. Oui. Vite même valeur pour le bulk SRS 24 est 83-43. Hein? Le gap? Oui. Alors que l'expérimental, il dit que 4,32. Donc, malgré que. Malgré l'MBG, mais les valeurs toujours sont sous-estimées. Parce que la DFT généralement sous-estime les valeurs du 24. C'était toujours. 3,43, malgré ça, ça avec l'MBG, mais mon sens, c'est le dans l'expérimental. T'as l'MBG, quand même. Là, je suis SE, t'as les valeurs fières. Et nous, il faut de l'idée, il y a tout le. Et ça peut prendre HSE ou GW, vous prenez le W, après l'expérience, après le MBG. Je dis que je vois. Il va détecter dans le bunch gap, est corrélé à la hardness. Yes.
j'ai fait une corrélation entre les propriétés mécaniques et les propriétés électroniques. Donc, le viewer se posait la question, Gali, pourquoi tu as calculé les propriétés mécaniques ou quelle est la relation entre les propriétés électroniques et magnétiques? Donc, j'ai cherché... Mécanique et électronique. Hein? Mécanique et électronique. Hein? Donc j'ai trouvé la relation. Donc le bulk, le hardness a une relation directe avec le band gap. C'est vrai ça? La littérature. Normalement. Yes. Le gap, il dépend de l'électronégativité peut-être. J'ai mentionné la référence. Peut-être pas des bas, il dépend de la hardness. Il y a une relation entre le cœur et la dureté. Où le matériau dur est dans un cœur de l'air, là. Hein? Oui, c'est vrai. Parce que c'est la première fois que j'entends ça. Je ne sais pas si tu es là. Parce que, à ma connaissance, d'après mes connaissances, à la liste, je regarde vraiment ce qu'il dépend de. Où se trouve la. Hein? C'est un peu. C'est la première fois que je cherche la question de la viewer pour ça. Donc, je vais te rechercher. Tu as un moment de confirmer. Donc, j'ai mentionné la référence car il faut faire de l'information. Ah, peut-être à la référence. Oui. Voilà, donc je te remercie encore une fois. Merci, monsieur le professeur. Maintenant, on passe la parole à notre Sir Fatih, you can put your intervention. We hear you really well, and welcome again. Thank you. Thank you so much. You have the time to answer questions and make comments on my thesis work. Okay. First of all, thank you for your kind invitation. To all of the judges for the thesis, and also thank you, Wada, for the invitation for your thesis defense. It was really very good presentation, so congrats to you. You, I think, showed you are became an expert on this, especially for the DFT calculations and for making a comment for them. You are wonderful. Thank you again. Thank you so much. And I have some questions. One of them is, did you find, or what is the main difference between the bulk and the monorail forms of the twisting and the alloyed structures? In the main of values or in the main of the structure? In fact, the main difference between them, what did you see for the electron property maybe, or? Yes, there is a lot difference. In bulk materials, we have a volume. We have a volume and a periodic crystalline structure, repeated atoms also. In the monolayer form, we have to, I think, we have to peel in the structure, peel in the structures, and there is the absence of one dimension. So we have, in the bulk structure, we have all the dimensions at the microscopic scale, but in the 2D monolayers, we have only two dimensions at the macroscopic scale, while only one dimension at the nanoscale. So also there is difference between the volume and the surface of the atoms. So yeah, this is the structural difference. Structure. With this structural difference, what has happened when you reduce the dimension from bulk to monolayer? What was erased? So.
values. We have, I think we have compared that of binary and ternary compounds, the protein in the bulk form and their monolayers. We have found that the latest parameter decreased compared to its bulk form, which is not, which we have interpreted that the difference may be due to the change or reducing the dimension, reducing the symmetry, or the change in the structure. Because in the bulk structure, they have a cubic structure, whereas in the in the monolayer form, it has an hexagonal structure. Also, we have found that the formation energy compared to the bulk is reduced, indicating that the bulk structures are more stable than the monolayer form. And we have interpreted this by, I think, the bonds, if the bonds are weak. So we have a weak binding energy, resulting in a weak formation energy. Also, in terms of band structures, we have found a change in the character from half metallic to half semiconductor. For the magnetic properties, we have found the same magnetic moments, I think. Okay, I think you are mentioning more dilute semiconducting property, isn't it? For the half semiconducting is dilute semiconducting. Diluted magnetic semiconductors. Yes, we can define them as K components for spintronics, and they are classical semiconductors doped with magnetic elements. In our case, we have doped with transition metals and varied the concentration and studied their properties. So the dilute means at low concentration. It's not higher than 12.5%, but due to our computational techniques limited, so we have increased the concentration to attain 75%. Okay. And will you, do you think to calculate Curie temperature by Monte Carlo simulations? I think you mentioned about the Curie temperature for the bulk case. How did you calculate it? Just with the mean field approximation? Yes, I just used it, the mean field approximation. I don't have an idea about the Monte Carlo. I think it takes a long time, or maybe it needs a computational cost or not. No, it doesn't need any huge computational cost. Can we use the Monte? Can we use? Yes. Sorry. Can we use the Monte Carlo with VASP code? No. You should, or if anyone from the statistical physics department, maybe if they have any code for this one, they can do it, or you can write for the Ising model. Yes, I use it a critical value in the main field theory that gives a value that is comparable to the experimental one. Yeah, good. So yes, I think it shows good results. Yes. Okay. Thank you again for the invitation and more rights to you. Thank you so much, sir. If you want, you can reach the presentation, or you can, if you have another work you have, you can craft. Nico.
أعطيها الميكرو بس. الميكرو. هزي هزي. فعلا. Madame la Présidente, pour ma part aussi, je tiens d'abord à remercier le professeur Modiol pour m'avoir invité à participer à ce jury de thèse, et je tiens à féliciter la candidate pour la qualité du travail qu'elle a présenté concernant donc le manuscrit qu'elle a présenté et aussi l'exposé. Donc, ceci n'est pas étonnant pour moi parce que j'ai eu Mademoiselle Warda Lagoun est l'une des meilleures étudiantes qu'a connu le département SM de l'Université de Guelma. Elle a été major de sa promotion et elle a été toujours sérieuse et assidue lors de sa formation, que ce soit en licence ou en master, on l'a eu. C'était une excellente étudiante. Donc, je ne suis pas étonnée de voir la qualité de ce travail. Je ne suis pas étonnée de voir la qualité de ce travail. Je suis plutôt contente et heureuse d'avoir, de voir une de nos étudiantes avec ce niveau scientifique. Donc, une thèse de 225 pages écrite en anglais, parfaitement écrite, pratiquement sans faute. Vraiment bravo. Je suis vraiment contente de voir ce résultat. Je tiens également à féliciter bien sûr le coach qui est derrière, professeur Omoudoul, sans oublier madame Shahrazad Borouis qui est absente aujourd'hui, co-superviseur de cette thèse aussi. Donc certainement elle a eu sa part de responsabilité aussi dans la réalisation de ce travail. On la félicite également. Bien, donc je vais commencer par ceci. N'empêche pas que j'ai quelques petites remarques à faire. La thèse, elle est vraiment bien rédigée, bien structurée. Donc j'ai vraiment admiré la lecture. Ça a été vraiment fluide, la lecture. Je te félicite. Donc, toutefois, j'ai eu une petite remarque concernant l'ordre des tableaux. C'est-à-dire que tu parles du tableau ou là de la figure, tu envoies le lecteur à la figure ou là au tableau, mais on le trouve un peu loin par rapport au texte. D'accord, j'aurais aimé voir le tableau tout de suite, surtout avec la version électronique, ça a été un petit peu difficile à réaliser. Mais ça reste une remarque, hein, d'accord. Donc, tableau, figure aussi, la figure 6 par exemple, en page 116, donc on trouve le commentaire un peu loin, d'accord. J'ai aussi une petite remarque concernant Bilharkina, le coefficient de Poisson et les propriétés mécaniques, où je suis étonnée de te voir noter le coefficient de Poisson sigma, alors que la lettre grecque sigma, elle a été réservée pour la conductivité électrique. Oui. C'est nul, voilà. Oui. Ah, d'accord. Donc c'est nul. Nul, d'accord. D'accord. Donc il faut le corriger parce que c'est connu que le coefficient de Poisson c'est nul, c'est pas sigma, d'accord. Et tu l'as, heureusement que tu as fait aussi la conductivité électrique, c'est aussi sigma, d'accord. Donc il faut corriger par rapport à cette notation. Certains paramètres, les propriétés mécaniques, les paramètres que tu as déterminés en étudiant les propriétés mécaniques, ils sont nombreux et je pense que tu n'as pas tout mentionné dans la liste des abréviations. Je n'ai pas retrouvé tous les paramètres. Je te suggère de les rajouter. Fais la liste des abréviations tout à fait au début du manuscrit. Donc, une première petite remarque concernant le titre du chapitre 3. Oui. Tu as écrit deux pages. Oui. Est-ce que c'est voulu ou là, je pense que c'est doping.
Doping et co-doping. Non? On a aussi un groupe dopage ou co-dopage. Je ne l'ai pas trouvé quand j'ai fait translate. Doping. Dopage. Ok. Et je peux translate un petit peu dopage doping. Effect of doping and co-doping on the SR properties, d'accord? Bien. Voilà. Donc, c'est une question un petit peu générale concernant la thèse. Vous avez fait un choix d'un composé binaire SRS que vous avez dopé et puis après vous avez étudié. Ce qui m'a un petit peu intrigué concernant ce composé, c'est qu'il n'y a pas de résultats expérimentaux par rapport à ça. Le manque de résultats expérimentaux. Il y a des résultats pour le GAP, pour le paramètre de maille. Pour le paramètre de maille, vous avez mentionné une seule référence. Oui, je pense qu'il y a un seul travail expérimental. Un seul travail expérimental par rapport à la structure, oui, à la structure cristallographique par rapport au paramètre de maille. Par rapport au tas qu'il y a, donc une seule référence, ce n'est pas vraiment une référence d'abord. Et puis la question que je vous pose, est-ce que à la fin de ce travail que vous avez réalisé, vous pensez que vous avez fait le bon choix par rapport à ce que vous dites que c'est un bon composant, ce sont de bons composés et ils ont de l'avenir concernant l'application. Et la question que je vous pose, alors pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été traités expérimentalement s'ils sont si bons que ça? C'est une prédiction, il reste toujours une prédiction. Donc on a comparé les résultats par rapport au seul travail qui existe dans la littérature. Oui. Donc on sait que la DFT ou la simulation est toujours dans des résultats sous-estimés. Donc il reste toujours une prédiction. Donc c'est une étude. On fait donc le tirage des matériaux, on calcule des propriétés, on obtient des résultats, donc on... Oui, allez-y. Non, c'est de la simulation. Oui. Donc elle a fait le webinaire, après l'alliage. Oui. Ça, c'est de la prédiction. Oui. Généralement, il n'y a pas assez de travail, c'est quand on sait ça. Mais c'est une prédiction qui peut orienter les expérimentateurs vers le matériel. Oui, donc ces résultats-là, ils se rendent une plateforme. Une référence. Pour les expérimentateurs, les expérimentateurs, oui. D'investir ce champ-là. C'est une orientation, c'est une plateforme de travail pour l'avenir. Donc, du moment que la simulation de bons résultats, et ça peut motiver les gens à aller vers ces composés. Oui. La simulation, c'est le but, alors. Oui, c'est vrai. L'étude, de façon générale. Parce que, en vérifiant les tableaux, je trouve généralement des manques d'éléments de référence par rapport à... Donc je trouve que le travail, il est original. C'est très bien de faire un travail original, mais il faut que ça soit aussi exploité du point de vue expérimental. Voilà. Le SRS, vraiment bizarre. Il y a beaucoup de différences sur le binaire SRS. Par rapport à... Le DFT, c'est le mental et DFT aussi. Donc je pense que je mentionne les seuls travaux ou les deux travaux expérimentaux. Moi je parle de l'aspect expérimental. Voilà, je parle de l'aspect expérimental de la chose. Bien, lorsque vous obtenez un résultat, toujours par simulation, et que vous faites la comparaison par rapport à d'autres travaux, et que vous trouvez des différences ou là des similitudes. La question que je vous pose, qu'est-ce qui peut faire la différence entre un résultat et un autre? C'est-à-dire, par exemple, le paramètre A de maille TR, le paramètre de maille TA, un autre travail. Toujours dans le cas de la simulation. Femtini,
qu'est-ce qui peut faire la différence entre les deux travaux? Est-ce que le code de calcul ou là, le potentiel? C'est toujours une relation avec le code, les paramètres, les inputs paramètres. Donc, par exemple, si je mets un seul paramètre, donc les résultats changent complètement. D'accord. Et donc, aussi pour ça, c'est de préférence de faire un test de convergence pour choisir bien les inputs paramètres pour obtenir des bons résultats. Quelle est l'approximation? Est-ce que tout est tout ce que vous pensez à un test à l'HAP? مثل زيت ريال A واحد وواحد آخر قد هذا خادم بسيدو بوتنسيال واحد خادم واحد خادم فول بوتنسيال واحد خادم بطايت باندين واحد خادم مع المشكلة كل واحد سي أبروكسيماسيون بوتنسيال توجو تقول لي هذه لعبة سي بلوتو لو بوتنسيال كي بريم بارابور كو بلو واش ليزانفوت ليزانفوت تاعت الكوسان دو لا ميم خاطر ديال تحلي واش هو عندنا التروميتور كاين اونفيري سمي اونفيري تيوريك هي تيوريك واحد تقدر تهزي اي ا تشتا اثنين هو يدير تيست دو كونفورتس تي وصلك حتى الار اكسبيرمونتال يعني تهزي شتا اغار تشتا اغار تهزي تحس بيه تحس بيه هو يجي يدير الاخر اوبتيميزاسيون ايه سير كونسيسيون هذاك اللي هذاك البروتوكول مصر هذا مثلا واحد يدير بسوتو واحد يدير الفول لي كود كيما كاين تاع لي زابوكسيون تاع Bien. Les matériaux que vous avez obtenus, la première partie de l'étude, vous avez étudié la convergence de l'énergie et vous avez trouvé que l'énergie minimale, elle est plutôt pour l'état ferromagnétique. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi est-ce que vos composés se présentent, ils présentent l'état ferromagnétique? Voilà, ils sont ferromagnétiques. Parce qu'on a depuis avec le fer, donc on a testé l'orientation du spin. Donc pour les ferromagnétiques, ils sont toujours orientés vers le haut. Donc tous les spins sont spin-up. On a testé aussi l'antiferromagnétique. Donc l'interaction entre les particules à donner de l'énergie la plus stable, c'est l'état ferromagnétique. Donc à la résultat, un matériau ferromagnétique. C'est dû à la présence du fer ou là? Oui, toujours au fer. C'est la présence du fer. D'accord. Quand la présence du fer, c'est un état antiferromagnétique. Le fer, c'est pas toujours dans l'état ferromagnétique. Quand il est un antiferromagnétique, c'est toujours dépend l'orientation du spin. Donc, le cadre, il a l'énergie la plus basse, il y a celle pour l'état ferromagnétique. Je fais que pour les monolayers, maintenant j'arrive aux monolayers. Donc vous avez changé de code de calcul pour étudier les monocouches que vous avez étudiées. Je voudrais revenir sur les détails de calcul que vous avez réalisés. Pour étudier une couche, donc on va prendre le bulk et on va couper suivant un plan. Oui. Je ne pense pas avoir vu le plan de clivage que vous avez utilisé. Mm. Est-ce que ce n'est pas important pour vous? Oui, j'ai pas. Mais vous avez choisi un plan. Oui. Vous l'avez choisi sur quelle base? On a le bulk d'un, donc on a le lot un clivage sur le plan, je pense, à 1,0. À 1,0. Donc on a obtenu une structure hexagonale. Quinte cubique, elle est hexagonale. Donc on a changé la structure complètement. C'est facile de faire le clivage selon ce sens. Justement, parce qu'en général, expérimentalement, je pense oui. Parce qu'il y a un travail sur. C'est là que graphine la structure du 31S, c'est là que graphine. Donc, c'est simple à faire le clivage avec les différentes méthodes. Je sais que c'est simple numériquement. C'est clair. Mais.
Voilà, réellement d'une part, et d'autre part, le choix du plan de clivage, il doit être fondé. En général, à ma connaissance, en général, on se réfère par rapport au, à un résultat expérimental qui met en évidence un plan, une orientation préférentielle. Et c'est selon cette orientation préférentielle qu'on choisit le plan de clivage des monolithes. Une dernière question. C'est madame, il attend que je dise ça. Donc, ma dernière question. Vous avez étudié le bulk, vous avez dopé. Dans un premier temps avec le fer, puis avec le NA. Est-ce qu'il serait envisageable de doper aussi les monoléeux? Oui, on a dopé les monoléeux. Avec le fer, non, avec le fer, je sais, mais avec les autres éléments. Oui, c'est oui. Toujours applicable. C'est toujours faisable. Avec co-dopé. Ok. Donc, sur ce, je vous remercie. Je vous souhaite bonne chance, je vous souhaite merci. Beaucoup de courage, une grande réussite dans l'avenir, une bonne relève, Inch'Allah. Voilà. Inch'Allah, merci, madame. Voilà, sur ce, je vous remercie et je vous donne la parole, madame. Merci. Donc, avant de passer la parole à monsieur le directeur de avant ça, je félicite mademoiselle Agonwada pour le travail qu'elle a effectué. C'était vraiment riche en résultats, très intéressant. Le manuscrit est riche en bibliographie, il est bien structuré, les idées sont très bien enchaînées, les interprétations sont très très bien faites. J'ai trouvé de plaisir à lire ton manuscrit. J'ai quelques remarques. Je commence par la page de garde de la thèse. Le nom du département, Material Sciences, ce n'est pas Material Sciences, Sciences of Matter. Science de la matière. Je pense qu'elle est en et français. On passe science des matériaux. Mais je crois qu'il est traduit. Là, j'ai vu. Moi, je l'ai traduit. Là, j'ai vu. Il y a là, j'aurais peut-être la traduction. La traduction de matériaux. Mais c'est faux. C'est science des matériaux. Tu as dit la traduction. Non, non, c'est la page de garde. Non, non, c'est parce que c'est faux. Là, le département est traduit comme ça, au sein de l'université. Oui, donc c'est faux. J'ai une remarque sur le résumé. Je trouve que le résumé est trop long. Ça ressemble à une conclusion générale. Et normalement, un résumé, c'est un résumé. Ça ne dépasse pas une page. Mais toi, dans le résumé, c'est comme une conclusion générale. Je préfère bien que tu les réduis un petit peu. Pour les trois résultats les plus importants, c'est pas ça, c'est résultat. Pour la référence 7, qu'il y a une répétition, on lève la répétition. Vous aurez toutes ces remarques dans le fichier PDF. Donc, pour la page 54, la référence 82, c'est la même référence qui se trouve dans la page 60, qui est la référence 164. Donc, deux mêmes références. Le même chapitre. Donc, la page 54, hein, la référence 82. Okay. Il y a la même référence, la page 60, où la référence a dit le numéro de c'est 164. Elle dit c'est la même référence qu'elle fait. Et donc, on met le mot. La page 55, quelle est la référence du titre? On lève, j'ai le numéro 5. La page 54, kif, la référence 138.
La référence 135, il y a la référence 36, ça me coûte mille fois par là. C'est la même référence. Après, tu as deux numéros différents où il y a la même référence. Fais la page 58. Quelle référence 135, 136. Fais la page 60. Quelle référence, parce que je ne sais pas. La référence 157. À partir du chapitre 2, les légendes, quelle va figure, on va de point, on va quelle va le numéro. On va là, c'est les figures, on numérote à la figure, on va deux points. Point ou les deux points, il y a un point. La page 96, kif kif, référence 26, il y a 900, la référence 67 qui se trouve dans la page 98. 900 chiffres, la page. Je pense parce qu'elle a utilisé beaucoup, beaucoup de références. On va détruire la une répétition dans les références. Donc j'avais la même remarque pour le dopage, doping. La page 106. Table 1, page 106, table 1, delta EF, et normalement c'est EF et non pas delta EF, tableau. C'est EF. Page 110, qu'elle a une petite faute, qu'elle a la valeur sigma, E-sigma, mais un sigma, E-sigma. D'accord. Deuxième ligne, E-sigma. 106. Et non pas un sigma. Là, il fait la rédaction. Un sigma. Le numéro d'Avogadro, c'est qu'il a dit en majuscule, non pas minuscule. D'accord. Page 125, table 5. Il y a une référence, il y a normalement une valeur. Si le travail d'autres personnes, mais parce que je vais faire une référence. Je vais faire la référence, la valeur 0,044. Ils sont en référence. D'accord. 126. 125. Donc, d'autres remarques, vous l'aurez tous dans le fichier PDF. Je passe directement. Donc, on a fait la page 120. La page 120 où tu présentes les courbes de densité d'état. Oui. Donc dans la figure on trouve uniquement les états EG et T de G. Et dans les interprétations tu parles des états partiels de ces états. X ou Z au carré ou XY, XZ. Mais on ne peut pas les voir sur la figure. J'aimerais bien voir sur les figures pour comparer l'interprétation avec ce qui se trouve dans les figures. Tu l'as fait pour les autres composés, mais tu l'as pas fait pour ce composé. Mm-hmm. Ok. D'accord. Donc, le champ cristallin, il était octaédrique. Il est devenu tétraédrique. Oui. Comment ça? Parce que la structure a changé. Le dopage est octaédrique. On va amener un codopage, tu peux mettre la symétrie, tu peux le groupe d'espace. Pourquoi elle a changé la structure? Parce que l'environnement, tu peux mettre complètement. Quand on dit deux atomes, par exemple, de strontium, deux atomes de sulfide, on dit une atome de fer, ou on dit le fer, ou le lithium, ou le strontium, ou le sulfure. Donc l'environnement, tu peux mettre complètement. Donc il y a eu, on peut dire qu'il y a eu une distorsion de la structure cristalline. Oui. Parce qu'on trouve ça dans. Oui, on a déjà dit. Ah. Et par la suite, pourquoi il y a eu le levée de dégénérescence des états T de G. Mais qu'un autre triplement dégénéré, ou là on a des Z, DXZ et DYZ doublement dégénéré, ou on a un singlet DXY. Peut-être à la pour six... les monolayers. À partir de la page 135, la 4, je pense que c'est pour le monolayer. L'essentiel, c'est la page 134. Pour l'octaédrique, donc, on dit les états EG, on a l'énergie la plus supérieure que des ondes. EG triplement dégénéré, ou EG triplement dégénéré, se trouve en dessous. Oui. Pour l'OL,
après tu peux la configuration interne, tu peux la symétrie, donc où là j'ai un tétraèdre où là j'ai EG عندها low energy ou j'ai T2G qui عندها high energy. Toujours c'est de 3D, tu pas de même T2G tu peux mais qu'un triplement dégénéré ou là deux états doublement dégénérés ou là on a un singlet. C'est-à-dire pour les monolayers. Donc c'est les monolayers parce que je n'ai pas un octaédrique ou je n'ai pas un tétraédrique. J'ai un environnement trigonal. Trigonal, je crois, bipyramidal. Le nom est OK. Donc, tu peux changer l'environnement complètement parce que j'ai une structure hexagonale. Qui te met l'environnement, donc je n'ai pas amplement. Donc, je n'ai pas un tétraédrique. C'est-à-dire que je n'ai pas trois états. Donc, chaque atome a combien de voisins? Le fer entouré de 4, bosse 4 à trigonale. Allez, j'ai mis la figure. La figure, elle a dit qu'on t'a posé une question sur la figure. J'ai mis la figure d'un surtout. Voilà. Donc le fer entouré 3, 4, 5, 5, attends. 5, 5, 5, 5 de ces. Au Hadith, tu as cité une référence. La référence 22. Oui. La référence 22, j'ai trouvé qu'ils ont travaillé sur un autre matériau complètement différent du tien. Ils ont travaillé pour les couches minces. Et pour eux, l'état A, il est en dessous, au-dessus des autres états. Oui, ça mèche le même environnement. C'est pas le même environnement. Mais tu as utilisé leur configuration. Malgré tout, après, mon les couches minces, ça, couches minces, c'est complètement différent des monolayers. Oui, c'est le fer terrain, le fer le dopage terrain, mais c'est un environnement trigonal. C'est trigonal. C'est trigonal. Trigonal, où l'amplement, il y a comme ça, on va faire des z carrés, puis on va faire l'EG qui se compose de dxz, dyz, puis on va faire l'EG1, on va faire dxy ou dx carré moins y carré. Là, on va pour l'état, c'est l'état A. J'ai le fond, mais où je me suis mis en tête? Parce que je suis la même structure. Mais tu as cité cette référence. Mais là, quelle est la configuration qui m'a dit? Je pense que le... peut-être le... partie de la figure, mais je... donc la division est à moins de moi. Mais je... Puis je sais pas, tu as cité cette référence. On m'a dit le FE plus 3, on m'a dit le FE 2 plus. On m'a dit c'est les en dessus des états d'eau. Parce que lorsque tu les as cités, j'allais voir, je me suis intéressée à cette référence, j'ai trouvé qu'ils ont travaillé sur autre chose. D'accord. La page 165. Donc, c'est dans lequel tu as cité les, tu as parlé des supercellules que tu as composées. Oui. Donc, tu as dit que la supercellule 2 fois 2 fois 1 contient 16 atomes. Attends. Uh-huh. Et la cellule 2 fois 4 fois 1 contient 8 atomes. Oui. Est-ce faisable? Oui. Donc, la plus grande supercellule contient plus d'atomes que l'autre, Jupiter. La plus petite supercellule contient plus d'atomes que la grande supercellule. L'autre, c'est le double, ça. Et elle contient moins d'atomes, c'est la moitié des atomes. C'est l'inverse. Je pense que lorsque la supercellule est petite, donc on a moins d'atomes. Donc je pense que le 16 atomes, c'est pour la cellule 2 fois 4 fois 1. Et 8 atomes pour la supercellule 2 fois 2 fois 1. N'est-ce pas? Non, je pense que c'est 2 fois 2 pour 16 atomes ou 2 fois 4 pour 8 atomes. Mais l'autre, c'est la supercellule, c'est le double de l'autre supercellule. On a fois 4. C'est la périodicité. Non, c'est une supercellule. La duplication, où elle contient la moitié des atomes techniques. Normalement, c'est le double. Oui. Ok. Pardon, je pense légèrement une grille supercelle 2 fois 4 avec 8 atomes. Là.
تنك دوبلي ديها ترديها فوا دو انا هي تتعاود دو فوا معناها لو نومبر تاع طوم يولي دو دوبل مش عبيتها دو فوا لا هاي فوا واش معناها معناها دو لا بيغريك معناها ولا دو فوا ان كان عندنا 2 y ولا 4 y معناها دوبلات سويفون لو سونس y ولا دو دوبل يا ريتات Donc, à la concentration, comment tu as trouvé cette concentration? Parce que j'ai essayé de diviser, par exemple, même si supposons que 2 × 2 × 1 contient 16 atomes, ou elle contient un seul dopant, un seul atome. La concentration, donc, tu as dit que c'est 12,5%. J'ai divisé 1 par 16, je n'ai pas trouvé 12,5. Comment tu as calculé cette concentration? La superstéplée de ces 2 fois 2, par exemple, fait 16 atomes. Ouais. 16 atomes, donc 8 atomes de strontium, 8 atomes de sulfure. D'accord. Et 9 seuls atomes de strontium, quand tu passes à un seul atome de fer. Uh-huh. Comment, donc, 12,5, c'est 12,5. Donc la concentration, tu la calcules par rapport uniquement par rapport au strontium. Mais pourquoi normalement là, c'est par rapport à le... C'est 1 sur 8, moi j'ai 1 sur 16. Et pourquoi non, pourquoi pas 1 sur 16 8 ou 8. Parce qu'on remplace le strontium. C'est 1 sur 8. Non, la concentration, c'est par rapport au nombre total. Et non pas par un seul type d'atome, la concentration. Non. On a d'office le 4e site. C'est une substitution, voilà, mais la concentration, on la calcule par rapport au nombre total d'atomes. Ils n'ont pas pour un type d'atomes. Non, mais la concentration en général, donc, on la calcule par rapport à la structure entière. Madame, la formule de l'état بدل واحدة بدل عندك رابعة رابعة بدل واحدة 0.27 بدل 0.07 بدل 3 لكن je dis concentration dans un matériau c'est la composition c'est la concentration dans le composé entier le composé entier il contient une telle concentration la formule la concentration par rapport au nombre total d'atomes ou des gens qui la calculent par rapport à un seul type d'atomes. Donc, quelle est la concentration? Donc, par rapport pour les superciliers, le nombre d'attentes. D'accord. Donc, la figure 166. La page 166, figure 1A. Et qu'on a dit qu'il y a marie le monolayer de côté avec le plan maintenant donc les attentes les enjeux se trouvent dans le même plan sulfure et une chose de côté maintenant ils se trouvent dans le même plan ou les canines d'autres qui sont derrière les c'est une hate bond de docteur en top view. Top view, on a toujours marqué qu'on a une chose grande parce que on a quand même le même plan. Mais de côté, qu'est-ce qui, je trouve qu'on sait qu'il y a mille en dessous. Est-ce qu'il y a d'autres atomes qui sont derrière le microscope? Non, il y a d'autres atomes. Il y a une chose. Quel vacuum? يكون كبير بزاف يكون بعاد بزاف لا الفاكيوم هذاك في نورمالمون في الاخر في لي 2 دي دو فان دير باكس هذوك مبينين يطلبوا لي ماتيريو 2 دي باسكو لي ليزون اونتر لي ديفيرون كوش سو سون دي ليزون دو فان دير باكس معناها الكليفاج تاعهم سي اوتوماتيك لا بس ما لبناش اسكو سي فيزابل ولا لا باسكو كيما قال المهم يا بوسي لا كيستيون اسكو سي فيزابل دو فير لو كليفاج سولون سو بلان لا est-ce qu'on peut le faire réellement ou pas? Oui.
une famille. Donc tu as une, la dernière question. La dernière question. Tu as dit que le sulfure de fer n'est pas magnétique. Oui. Comment ça se fait qu'il contient le fer, il n'est pas magnétique? La structure d'un square est non magnétique. C'est bref la structure hexagonale. Donc il n'est pas stable, pas magnétique. La structure square stable, pas non magnétique. Où est-ce que tu as comparé avec d'autres? Oui, j'ai mentionné. Ils ont trouvé la même chose. La même chose, le square structure non magnétique. Donc il y a d'autres remarques, tu vas les trouver tous dans le fichier DDF, il faut faire attention, on va les voir dès la page de garde jusqu'à la fin hein, pour faire les corrections. Hein. Maintenant, merci Warda, c'est un travail exceptionnel. Merci. Donc, je vous souhaite une bonne continuation. Maintenant, je passe la parole à monsieur le directeur de thèse, professeur Medour Ahmed. Merci, madame, de m'accorder des écoutes. Tout est bien, comme on dit, tout est bien, qui finit bien. Voilà la réponse de la séance. Je vais arriver. Voilà, on est là. Il y a la soutenance. Inch'Allah, tout finira bien, Inch'Allah. Donc, concernant, avant de parler de Wada, je voudrais bien remercier mes collègues. Donc, à commencer par mes amis, professeur Baziz et professeur Meradji de l'Université de Psila et de Ain Alba. Ainsi, mes remerciements vont aussi à madame la professeure Mouni d'avoir accepté. C'est très gentil de sa part. Elle n'a jamais dit non. Je la remercie pour ça. Je remercie aussi le professeur Yahya Hakima d'avoir accepté de présider le jury de soutenance de Warda. Donc, je vous remercie d'avoir accepté d'expertiser ce travail, de le discuter, de le débattre, de sortir les points faibles et les points forts du travail, bien sûr. Donc, parlant de Warda, je n'ai qu'à dire que deux bonnes choses sur elle. Elle est d'une éducation, elle est rare à trouver. Elle a une très bonne éducation, elle est très gentille, elle est tout le temps souriante. Je connais ce Warda tout le temps souriante. Même moi, quand je suis en colère, elle est toujours souriante. Ça m'est arrivé d'être un peu. Bon, monsieur Léna, peut-être dur quand elle travaille, mais elle ne réagit pas dans le sens, c'est-à-dire la réponse elle n'est pas proportionnelle au comportement de la personne qui est face à elle. Donc, elle est une bonne qualité aussi. Donc, parlant des qualités scientifiques, aussi, avec c'est la même chose. Elle est une bonne chercheuse, donc elle travaille très très bien. C'est une bonne physicienne. Elle a la caractéristique de prendre l'initiative dans son travail. Ça, c'est une qualité que chaque directeur de thèse souhaite avoir chez son doctorat. Donc, de ce côté-là, j'ai pas beaucoup souffert avec elle. Bien au contraire, il y a des choses que j'ai appris avec elle, et avec toute modestie. Hein. Donc, je la félicite d'avoir accompli ce travail avec succès. Je le dis, bon, ça reste dans la vie toujours. Peut-être des gens diront moins que ça, moins que ce que j'ai dit, mais elle, je le pense vraiment, elle a fait. Et on a eu à discuter avec le long des années Hadouma de beaucoup de choses et on a surmonté pas mal de difficultés, on a affronté des difficultés et on a réussi, elle le sait très très bien, surtout concernant avec les publications d'Al-Khimada. Donc, on a quelques questions des membres du jury. Que j'ai pris note à moi concernant l'anisotropie, la question que M. Meradji a posée, pourquoi on ne fait pas la représentation des dimensions. Mais je pense que ça ne sert à rien. On a l'information
en 3D, c'est pas la peine de le faire en 2D. C'est un travail de plus et on a le même résultat, que ce soit sur le plan ou en volume, on a la même information. Pourquoi on n'a pas fait le deuxième binaire, c'est-à-dire aller à l'extrême, c'est-à-dire la concentration maximum de fer. On a souhaité rester toujours avec dans le composé de départ, c'est-à-dire la matrice haute qui est le SRS. On a aimé la préserver, c'est-à-dire travailler sur le binaire SRS et le doper tout en gardant 10 mètres en tête que c'est le SRS qu'on est en train d'améliorer. Parce que si on va jusqu'au bout, si on met X égale à 100%, c'est-à-dire on va vers le fer maximum, là on a un deuxième binaire, et là ça change complètement, on a d'autres caractéristiques qui ne sont pas du tout les mêmes. Voilà, pour la corrélation entre les propriétés mécaniques et électroniques, on a été interpellé par un des reviewers sur cette question-là, et on a cherché ensemble comment chercher la bonne réponse. Mais finalement, les propriétés mécaniques, quand on parle de mécanique, par exemple, quand on fait une pression sur un matériau, quand il se déforme, c'est des choses mécaniques. Et quand on les fait, c'est tout à fait normal qu'on modifie le matériau. Quand il y a une dilatation, il y a une déformation des bandes. Et quand il y a une déformation des bandes, il y a aussi un changement du gap. C'est tout à fait normal parce qu'on n'a plus les mêmes bandes d'énergie. Donc le gap doit obligatoirement être affecté. La réduction des longueurs de liaison, ça peut influer sur la distribution. Bien sûr, bien sûr. La distribution d'électrons. Et sur la distribution d'électrons, donc c'est les bandes d'énergie. C'est la déplacement des électrons. Voilà, c'est ça. Je ne connais même pas mon écriture. Pourquoi on a travaillé sur le SRS? La question que le professeur Mouni a posée. On laisse le SRS. Parce que le SRS est très connu dans le domaine des applications optiques, donc il est très connu dans le domaine médical. C'est toute la famille, la famille des binaires, toute la famille. Elle a des caractéristiques excellentes en optique. Voilà. Nous, c'était au début, on a cherché beaucoup plus à travailler sur les propriétés optiques parce que nous avons la vocation à des applications beaucoup plus en optique. Hein. Mm-hmm. Donc, on a souhaité améliorer les caractéristiques, c'est-à-dire quand on passe d'un binaire à un ténard par un dopage, par des éléments de transition, qu'est-ce qu'on peut avoir ça comme résultat, comme matériau? C'est très bien qu'on a un semi-conducteur, même quand on travaille en mode polarisé, on peut avoir un semi-conducteur dans des canaux de spin. Maintenant, comme on peut avoir aussi un demi-métal, ou là, des demi-semi-conducteurs. Donc, kiff, un peu, comme disons, de leurs caractéristiques et leurs avantages en matière d'application. Donc, tout ce qu'on a vu, c'était l'effet du dopage sur beaucoup plus les missions optiques, c'est-à-dire de départ. Donc, on a continué le travail pour aller vers le dopage avec les métaux alcalins. Et c'était aussi dans le but d'améliorer les propriétés optiques. Et en fin de compte, on est allé vers des propriétés thermoélectriques. Au Alèche, le motivateur et la motivation, c'était la valeur du gaz qui était faible. D'accord. Donc, dans le résumé, c'est le travail à 2D, il n'a pas été achevé. Jusqu'à maintenant, il y a des calculs qui sont en train de se faire. Mais il y a beaucoup de calculs à faire encore avant de parler des résultats à 2D. Oui.
parce que les premiers résultats sont insuffisants par rapport à ce qui a été fait en Maurice-Souveté, voire aussi les propriétés tellement inévitées qu'à 2D. Quel est l'effet de la basse dimensionnalité quand je passe de 3D à 2D? Qu'est-ce que je peux provoquer comme changement? Voilà, donc ça c'est en résumé le parcours de scientifique à Warda le long de ces années-là. Donc je dois lui dire solennellement devant tout le monde que j'ai été très très ravi de travailler avec toi. Et j'espère qu'on continuera à travailler ensemble dans le venir. Je te souhaite beaucoup de courage. Inch'Allah, j'espère qu'on te comptera parmi nous très prochainement, Inch'Allah, en tant qu'enseignante. Inch'Allah. Voilà, merci. Merci, monsieur le professeur. Maintenant, c'est une prochaine pour délibérer.